Le Cameroun, champion d'Afrique des Nations de Nambudo 2017. Les Camerounais ont rapporté 17 médailles d'or. Les athlètes camerounais ont opéré une véritable razzia dans la compétition regroupant 6 pays. Ils se sont imposés dans plusieurs catégories et en équipe face au Burundi, la Côte d'Ivoire, la Centrafrique, le Sénégal et la Tunisie. En finale de combat par équipe, les Camerounais ont eu plus de ressources pour s'imposer à la Côte d'Ivoire 25-20. Pour le président de la Confédération africaine de Nambudo, c'est le sport qui a véritablement gagné. Comme vous le savez, une jeunesse qui ne joue pas est une jeunesse malade. Il faudrait que les enfants jouent et ça a été une très belle occasion de jouer. Nous avons joué, c'était une très belle fête au moment où les lampions de ce troisième championnat d'Afrique s'éteignent. Nous devons dire que c'est un sentiment de satisfaction qui anime l'Afrique tout entière, l'Afrique de Nambudo tout entière. La Côte d'Ivoire, pays hôte, s'est contentée de la deuxième marche du podium, comme lors de la précédente édition en 2016, en glanant seulement 3 médailles d'or. Pour l'encadrement technique et les athlètes ivoiriens, cela est le fait de l'arbitrage défaillant. Le comité arbitral n'a pas joué pleinement son rôle. Nos arbitres à nous ivoiriens n'ont pas été à la hauteur de la tâche et du coup ils ont laissé une largesse aux Camerounais qui n'ont fait que s'y introduire. La force, c'est qu'on se comprenait, on essayait de voir qu'est-ce que peuvent atteindre notre adversaire. Il n'y a pas de problème, c'est juste que ça va, ça se gère entre les arbitres. On souhaiterait encore qu'il y ait plusieurs pays qui nous rejoignent pour que les compétitions soient vraiment, vraiment, vraiment encore plus denses. La Mauritanie a participé à la compétition en qualité d'observateur. La Côte d'Ivoire a organisé la compétition pour pallier la défection du Maroc. La quatrième édition du championnat d'Afrique des Nations de Nambudo se déroulera en 2017 au Sénégal.